prochaine, mes petits pirates. Est encore pire que ce que je pensais. Ah, voilà enfin quelqu'un. Tu es donc le dernier espoir de DeadSec. Ah, ça, c'est ma cam! Contente de te voir en vie. Si tu veux toujours soutenir la cause, DeadSec a besoin de toi. Je t'envoie les coordonnées de notre dernière planque. On s'y retrouve. Ah, ok. Comme tu veux. J'ai téléchargé un patch sur ton optique pour que tu aies accès à notre système de sécurité. Il est conçu pour que je puisse pas faire entrer quelqu'un d'extérieur à DeadSec. Tu devras faire la manip toi-même. Oh putain! On est dans un film d'espionnage, c'est ça? Truc de ouf! Avec Sabine, c'est ça? On se recroisera en bas alors. Faire un verre d'eau pour lui rincer la bouche, ce con. Oh, comment ça, me m'envoie un message pour me supplier de lui apporter du lait pour faire tremper ses burnes. Et je vais pète.
tu plaisantes pas, toi. Ça envoie du lourd, ton truc, là. Eh oh, y'a quelqu'un ? Faut remettre le courant. Empreinte d'EdSec introuvable. Déclinez votre identité ou je condamne les issues, je pirate votre optique et je lis à haute voix tous les emails que vous avez envoyés à vos ex. Ah, du calme. Tu connais Sabine? On est potes, elle et moi. Sabine est vivante? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis Bagli, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister d'EdSec, et je constate que j'ai été hors service pendant... plusieurs mois. Bref, si vous me connectiez au réseau d'EdSec, que je devienne puissant au-delà de votre imagination, pardon, que je rattrape ce que j'ai manqué. Voilà, je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actus archives et... Oh non, le groupe terroriste d'EdSec responsable des attentats mortels à Londres. Dalton Wolf est mort. Il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air. Bon, Bagli Bags, si d'EdSec a pas fait sauter toute la ville, c'est qui l'a fait alors? Il y a un trou dans ma mémoire après que Dalton... Soyons honnêtes, après que j'ai désamorcé la bombe au Parlement. Je manque d'infos sur ce qu'il s'est passé après ma désactivation, mais d'après ce que je peux en déduire, un groupe de hackers inconnus répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à d'EdSec. Venez à mon terminal, Sabine veut passer un appel vidéo. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. Te voilà, je suis trop contente de te voir. Bagli, bon sang que ça fait du bien d'entendre ta petite voix. Ta mémoire est intacte? Loin de là. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG. Et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir, les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. On n'avait aucune chance. Ils ont tiré sur tout le monde. Ah, d'accord. T'aurais dû y rester. Comment t'as fait? J'ai réussi à fuir par les égouts jusqu'à Camden. Un contact m'a fait sortir de la ville, et depuis, je me planque dans le nord. Sage décision. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettrait en danger. Ouais, tu vois... C'est pas facile pour d'EdSec en ce moment. J'ai toujours été à fond pour vous rejoindre, les mecs. Mais je suis grave trop jeune pour mourir. Écoute, si quelqu'un s'y connaît en risque, c'est bien moi. J'ai perdu tout ce que j'ai, et tout le monde. Mais voilà la situation. Londres est dans une spirale de mort. Et si d'EdSec ne sauve pas la ville, crois-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une résistance. Et elle commence avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? Si c'est pour se faire buter... Autant mourir avec la classe. Excellent. Nouvel utilisateur enregistré. Bienvenue chez d'EdSec. Bien. Ce serait irresponsable de notre part de vous relâcher cul nu dans la nature sauvage. Vous trouverez dans la planque quelques équipements indispensables à votre panoplie de d'EdSec.
Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas rafraîchir votre garde-robe? Je veux dire, regardez-vous sérieusement. Ils sont très bien, tes nouveaux jouets, mais c'est important de connaître les bases aussi. Tu dois apprendre à mettre des claques et aussi à en encaisser. Si t'arrives devant Albion avec un flingue, ils hésiteront pas à te descendre. Les dégâts collatéraux, il vaut mieux éviter. Chez DedSec, on se sert des armes qu'en dernier recours. Vous connaissez déjà Cody Robinson? C'est la propriétaire du pub et un vieux contact de DedSec. Championne de boxe amateur, qui plus est. Allez sur le ring d'entraînement. Elle vous apprendra quoi faire quand quelqu'un vous balance un coup de poing. Je descends tout de suite. Le temps de m'échauffer. On va commencer avec des coups de base. Frappe-moi, sois pas timide. Comme ça, oui! Tu dois essayer de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. Comme ça, oui! Comme ça, oui! Connard. Allez, on utilise ses jambes. Il faut créer de la distance. J'aurais pas fait mieux. C'est ça, continue! Vous avez votre barda? Vous avez compris comment ne pas vous faire boxer le nez ou vous faire abattre lors d'une fusillade? Parfait. Je réfléchis à comment nous pourrions trouver Zero Day et leur pourrir leur journée, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de quelqu'un avec de vraies jambes pour faire ce travail. J'espère que vous êtes d'attaque. On a un peu de service après-vente à faire si on veut se débarrasser de notre image de groupuscule sanguinaire. C'est pas à moi de te dire comment te comporter, mais n'oublie pas. Ouais, et l'autre il appelle ça un putain de pays. Détends-toi, tu pètes les plombs. Bon, ok, c'est parti. On commence par où? Te fais pas d'illusions, Londres est sous occupation. Des mercenaires armés patrouillent dans nos rues, soi-disant pour protéger la population. Mais surtout pour faire régner la peur. Saloperie d'Albion, c'est pas la solution, c'est le problème. J'ai pas raison? Donc, on doit raviver la flamme de la résistance chez les habitants de Londres, en leur montrant qu'Albion, c'est pas la solution, mais bien le problème. Pour cela, nous aurons besoin d'informations. Je vous envoie les coordonnées de deux lieux sur votre optique. Merci, Bagley. J'ai identifié deux opportunités pour nous. Petit 1, entraver la propagande d'Albion. Rappeler à la population que c'est pas Albion qui décide de tout. Petit 2, si on veut leur mettre des bâtons dans les roues, on a besoin d'infos sur leurs opérations. Ça te va ? Carrément, j'ai le seum et je vais tout péter. Excellent. Il est grand temps de rameuter le peuple de Londres. Mmh.
Pour constituer un groupe de résistants, il vous faut des agents spécialisés. Les compétences techniques, le maniement des armes et la forme physique sont de précieux atouts. Les rings de boxe à main nue sont un vrai vivier de personnes qui aiment distribuer des mandales ou en recevoir. En mettant au tapis tous les adversaires d'une arène, vous aurez l'occasion d'affronter son meilleur combattant. Prouvez votre supériorité physique et il songera peut-être à rejoindre Netsec, un peu comme une colonie de primates. Albion a établi une base d'opération à la Cour royale de justice. Frère, c'est des conneries tout ça. Albion a la main sur les tribunaux. Du coup, plus personne n'a le droit à un procès équitable. Exactement. Mais ça veut aussi dire qu'on peut sûrement y trouver comment Albion traque les dissidents. Qui et pourquoi. Si on veut contrecarrer leur plan, il nous faut ces infos. Ouais. Ça devrait être bon. Franchement, c'est beau. Faut dire ce qu'il y a.
Vas-y, Bugs, dis-moi tout. Une liste de profils désignés par Albion comme étant des cibles prioritaires et autres menaces contre l'ordre public. Vous voyez ? Un journaliste. Et là, une personne qui tient un refuge pour SDF. Juste ciel, protégez vos enfants. C'est quoi ça ? Ils sont tous suspectés de semer la rébellion ou d'y être favorables. Albion arrête de façon systématique tous ceux qui risquent de s'insurger. Dommage pour eux, parce que cette liste va nous aider à trouver de nouvelles recrues. Bien joué. Allez, on va ruiner les efforts de propagande d'Albion et redonner un peu d'espoir aux gens. À quoi bon risquer votre peau si vous ne